Yo, DJ, put a needle back to the record, baby, and give me this right now. Hello mes petits loups, bienvenue chez Tonton, Ben au mic, très heureux de vous retrouver pour ce 8ème épisode de notre découverte du mode Club Pro de FIFA 22 avec le Red Spirit de Liverpool. Alors aujourd'hui on commence par un résumé de la session sur le même format que la double session de la semaine dernière, parce que détailler ce qui s'est passé match par match, point par point, c'est beaucoup plus représentatif de la soirée et beaucoup plus dynamique. Ensuite, définitivement exit les buts à la fin, puisque vous les aurez vus dans le courant en fait, du film. Donc c'est un peu redondant, et puis de toute manière, moi j'aime pas regarder les clips musicaux sur YouTube. Je me dis que peut-être pour vous c'est pareil. Et enfin, on finira sur une nouvelle rubrique qui m'a été suggérée par Grodet. Où je reprends les trois points qui m'ont marqué, que j'ai trouvé essentiels sur la session. La session précédente, on s'était quitté sur une série assez effroyable de 6 défaites consécutives. La session précédente avait été compliquée. Cette semaine, on va essayer de faire mieux. On est un peu plus. Je pense qu'on n'a jamais été autant sur le terrain. On va commencer carrément à 7 avec un nouvel invité, Blexed277. Alors, vous n'avez pas vu son nom générique. Parce que déjà, il nous a rejoint un petit peu au dernier moment. Je ne savais pas quel joueur il incarnait. Et en plus, il n'est pas resté très longtemps. Il est resté que 4 matchs. On verra sur les sessions suivantes s'il nous rejoint définitivement. Donc, on va commencer sur notre 4-2-3-1 habituel. En défense, en patron de la défense, on va avoir Unitix, qui au début va incarner Van Dijk. Vous l'avez vu au générique, il incarne un petit peu tout le monde. Bon, il retourne à son rôle de Van Dijk. Devant la défense, on aura en récupérateur Chicamaran, donc Xabi Alonso et Dirk Kuyt, Moda. Devant, en meneur de jeu isolé, on aura Vidda, comme d'habitude. Sur les ailes, à gauche, on aura Zenden, donc moi, à droite, Blexed277, et enfin, tout seul en attaque, Grodet, dans le rôle de Fernando Torres. Et on commence cette soirée par le ALP Red Spirit qui sera opposé à l'équipe Beauvais qui va arborer le maillot de Leipzig. Bien démarrer, bien se concentrer, faire circuler la balle, c'est important, on est beaucoup sur le terrain. Il va falloir que tout le monde se mette en confiance. Allez, Torres qui fait le coup d'envoi en s'appuyant sur Vidda, qui écarte sur Zenden. Zenden qui revient sur Vidda, qui s'appuie sur Xabi Alonso, qui repasse par Vidda, qui la remet sur Torres. Torres qui écarte sur Zenden. Zenden qui est bien pris, qui tente de retrouver Torres, mais le ballon est contré. 11e minute, un corner sur le centre qui est bien dégagé par la défense mais récupéré par Blexed. Blexed qui va tenter d'écarter sur le côté pour Van Dijk. Van Dijk qui s'appuie sur Kuyt. Kuyt qui va tenter de la mettre en profondeur mais qui n'y arrive pas. La balle est bien interceptée par Baldo. Baldo qui déborde. Baldo qui va centrer sur Dos Santos. Dos Santos qui met la tête. But, premier but de cette session, premier but de cette soirée. Pourtant, on dominait, on avait globalement le ballon. On a fait beaucoup de passes, 77 comme à notre habitude en une mi-temps. Beaucoup de tacles tentés, beaucoup moins chez nos adversaires, mais ils ont réussi 4 de leurs tacles. C'est assez impressionnant au niveau des stats. Et puis, alors, le niveau des interceptions aussi qui est important. Allez, tentative de percer de la part de Dos Santos. Mais c'est Baldo qui va le tirer lui-même. Mais j'ai le sentiment qu'il va essayer de le tirer sur le petit côté. Enfin, sur le grand côté plutôt. Effectivement, contre de la tête de Zenden. Van Dijk avait pris un côté, Zenden l'autre.
Et malheureusement, le premier match se terminera sur ce score 2-1-0. Mauvais démarrage. On n'était pas si mal que ça dans ce match. C'est dommage qu'on n'ait pas réussi à convertir et qu'on soit fait prendre en contre. Allez, deuxième match de la soirée contre la Poule à Kerli. La Poule à Kerli avec un nom à coucher dehors. Je ne sais pas vraiment à quoi ils font référence. A priori, c'est quand même des Français vu les pseudos. Allez, une première tentative de se dégager. Où on construit Chicamaran qui arrive à rester debout, on ne sait pas trop comment. Qui la passe sur Zenden, débordement de Zenden. Zenden qui va venir, qui arrive à prendre Densoz de vitesse. Qui fixe son défenseur pour la remettre à Keut. Keut qui va tenter le tir instantané. Mais le défenseur central était bien revenu et monte au contre. Et arrive bien à s'en sortir. Et tentative de jeu sur l'aile, mais ça va pas donner grand chose. On repart. Zenden qui tente de trouver Torres, mais très mauvaise passe. Elle est interceptée. Attention à Dolinski. Dolinski qui récupère le ballon et frappe de loin. Clemens qui était avancé. Keuk qui avait fait une bonne première intervention, qui était revenu très bas pour venir récupérer le ballon, mais qui était un peu en bout de course et fatigué. Au moment où il tente de repartir, il est pris par Boulette et Dolinski. Et Dolinski qui en profite pour frapper de loin. Ah, une mauvaise demande sur le ballon, là, sur un hors-jeu. C'était une remise en jeu. Je sais pas si Clemens a pris l'initiative ou c'est Vidda qui avait demandé le ballon. Mais le Boulette était Boulette, il s'appelle le gars, était là pour intercepter. Et évidemment, Clemens avait déserté ses caches puisqu'il était en train de tirer le coup de pied arrêté. Deuxième défaite de la soirée, ce qui porte à 8 le nombre total de défaites consécutives. C'est un peu dramatique. Alors dans ce genre de cas, on se raccroche un petit peu à ce qu'on peut. Mes coéquipiers avaient regretté la couleur de la pelouse pendant le match qui était cramé, qui visiblement les gênait. Donc on va retenter la pelouse pour avoir un gazon un petit peu plus vert. C'est limite de la superstition, mais on se raccroche un petit peu à ce qu'on peut dans ce genre de cas. On va surtout changer le système de jeu. On va passer en 4-4-2, en losange, à l'ancienne. Quand on manque de repères, bah on va chercher là où on peut. Donc effectivement, on va donc jouer en 4-4-2 avec Van Dijk qui va jouer en défense. Chicamaran qui va être le seul récupérateur. Keut ou Blexed, on ne sait pas encore, qui va basculer à droite. Vidda en meneur de jeu, Zenden à gauche. Et en attaque, on va mettre, donc c'est ça, c'est Keut qui passe à droite. Et en attaque, on va mettre Torres et Blexed. Ce système, comme on n'avait marqué aucun but jusque-là, est fait surtout pour amener plus de poids sur l'avant avec les attaquants qui vont pouvoir combiner et qui vont surtout appuyer sur les défenses, ce qui va occuper les défenseurs centraux et normalement laisser un peu plus de liberté à Vidda. Moda qu'on a excentré sur le côté droit qui devrait aussi avoir un peu plus d'espace pour jouer. Alors lui qui a l'habitude de faire des replis défensifs, ça va forcément être moins simple. On va tout de suite voir ce que ça donne dans le troisième match contre Biggie et ses amis. Il est important de ressortir la tête de l'eau. Encore des Français. Allez, on commence tout de suite à la troisième minute avec Leroy. Leroy qui se la raconte un peu là, qui dribble un joueur, deux joueurs, mais il va tomber sur Blexed. Blexed qui vient le contrer, qui la passe sur Torres. Torres qui la met en profondeur pour Zenden. Tentative de trouver Vidda au deuxième poteau. Mais la défense veille et l'a bien pris. Leroy, encore lui, qui se fait contrer par Xabi Alonso. Xabi Alonso qui écarte pour Zenden. Zenden qui va aller la mettre sur Vidda. Vidda, Blexed. Blexed qui tente de retrouver la profondeur pour Zenden. Ça ne marche pas. Il s'appuie sur Torres. Là, les avants vont venir appuyer sur la défense. Et inspiration magique de la part de Vidda qui trouve la lucarne opposée. Elle est dans le soupirail. Et là, on peut dire goal, 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 goal de Vidda Roberto Baggio Romeo. Franchement, ce but est magnifique.
un très bel enroulé sur le côté opposé et il la glisse dans le soupirail. Allez, on reprend tout de suite, tentative de passe en profondeur. Bonne intervention de la part de Van Dijk. Van Dijk qui s'appuie sur Torres, qui va s'appuyer sur Zenden. Zenden qui va aller déborder, qui tente de trouver au deuxième poteau. Cuyt, reprise de volée, transversale. La balle rebondit sur la transversale, elle arrive sur Torres. Torres qui fait une reprise de volée et qui la met dedans. 2-0, on serait dans Volta. Ce ne serait pas démérité comme action. Et passe en profondeur sur Zenden qui va chercher Cuyt. Cette balle n'est pas passée loin. Elle était en retrait derrière la défense. Tout le monde était pris de court. Attention. Ah, wow. Comme au match précédent, là, un mauvais appel de la part de Van Dijk qui n'avait pas vu les deux défenseurs revenir sur lui. Et 2-1. C'est toujours bête hein, de prendre ces buts là. Mais dans la foulée, le petit Torres Shaw à la 85e minute qui va venir clôturer ce match, qui va venir surtout nous délivrer parce que c'est enfin une victoire qui met fin à une série de 8 défaites consécutives. Elle fait du bien celle-ci hein. Elle fait du bien à la tête, elle fait du bien au moral. Enfin 3 points. Allez, on enchaîne. Quatrième match contre les XB Brasilix. Do Brasil. Allez, tout commence à la 9e minute par un corner. Corner de Zenden qui trouve la tête de Torres. Torres qui va la mettre au deuxième poteau. On n'a pas très bien vu ce qui s'est passé sur cette action. Et en fait, on s'aperçoit que c'est Chio qui vient couper le ballon devant son gardien. Et qui manque complètement son dégagement en tirant dans ses propres cages. On ne comprend pas trop ce qu'a fait là le défenseur brésilien. Tant mieux pour nous, hein, j'ai envie de dire. Les stats à la mi-temps, globalement, on a dominé cette première mi-temps avec la possession de balles, plus d'occasions, les expected goals. Par contre, plus de passes chez nos adversaires. Nos adversaires jouent bien, hein, globalement. Et on va surtout le voir en deuxième mi-temps. Avec le début du festival entre Joga, Mita et Jepiquinho. Avec tout de suite Joga qui joue le 1-2 avec l'IA qui la passe sur Mita. Mita qui va la mettre sur un attaquant qui la laisse passer. Elle arrive directement sur Jepiquinho. Jepiquinho qui, en dehors de la surface, à 25 mètres à peu près, met une belle frappe. Allez, récupération de Mita, Jepiquinho, nouvelle tentative de Jepiquinho. Cette balle rentre pas, Clemens qui fait une mauvaise relance. Elle arrive sur Joga sur Jepiquinho. Heureusement, Clemens veille. Et on a du mal, hein, on a du mal. Bonne récupération à nouveau. Tentative de dégagement de la part de Van Dijk, mais récupération de Jepiquinho. Qui la met sur Mita. Mita qui va être surveillé par Van Dijk qui va tenter de venir le prendre. Mais Mita qui change de pied et qui arrive quand même à marquer. Débordement côté droit de Mita. Mita qui la met au deuxième poteau sur Joga. Joga qui vient couper devant Clemens. 3-1. Ils ont joué très collectif. Ils ont marqué tous les trois. Franchement, là, on avait de gros adversaires face à nous. Ça ne nous arrange pas parce qu'on avait gagné le match précédent. Nous voilà sur une nouvelle défaite. Ce qui veut dire que sur les 10 derniers matchs, toutes sessions confondues, évidemment, on est quand même à 9 défaites pour une seule victoire. C'est difficile à encaisser. Allez, on recommence, on est reparti contre le FC 39-45. Alors, une partie des effectifs sont partis, hein. Blexed nous a quittés, Moda est allé s'occuper de sa fille. Et Torres pour Vidda. Vidda qui tente de la remettre, mais il est contré, il la récupère. Vidda qui s'appuie sur Xabi Alonso. Xabi Alonso qui la met sur Zenden. Zenden au deuxième poteau pour Jessica. Jessica qui a remplacé Moda. Et Jessica qui met le deuxième but de la soirée. Bonne récupération de la part d'Unitix qui a quitté son rôle de Van Dijk pour prendre celui de Firmino.
et une magnifique frappe au deuxième poteau qui rentre directement dedans. Oula, ça va un peu vite, j'ai eu un peu de mal à suivre. On s'est pris une petite contre-attaque à la fin, ce qui fait qu'on a pris un but. Mais enfin, ça se termine à 2-1. Ça se termine plutôt bien. Alors, je comprends pas tout le principe du FC 39-45. Je trouve ça un petit peu douteux. Je pense que cheveux blancs, c'était pour faire sa grand-mère. Heureusement, il l'a pas fait tondu. Ça aurait été pire. Et match suivant, ALP contre Halloween FC 73. Est-ce qu'on va pouvoir enfin confirmer une victoire et en aligner une deuxième de suite? Attention, attention au dégagement. Ouh, joli dégagement sur Zenden. Zenden qui arrive à faire une passe avec de l'effet. Et magnifique cette passe sur Vida. Vida qui va la mettre sur Torres. Torres qui bute sur la défense. Elle revient sur Zenden. Mais pour le coup, la défense veille. On est contré. Un petit peu de mal à s'en sortir là. Est-ce qu'au deuxième poteau ça va aller mieux? Non, toujours pas. On a dominé strictement dans tous les compartiments du jeu. On a retrouvé notre haut taux de passe avec 72 passes en une mi-temps. Les seuls endroits où l'adversaire a le dessus, c'est sur les arrêts, ce qui est normal puisqu'on a le plus de passes. Mais dominer n'est pas gagné. Et ce match va se finir sur un vieux 0-0. Alors, pas si nul que ça dans la mesure où ça nous a quand même permis d'enchaîner après une victoire sur un nul. Équipe suivante, le FC Vatox. Encore des Français a priori. Et on va commencer par Chica qui lance Vida. Vida qui a un petit peu de réussite là, le contre-favorable, qui va tenter de la remettre sur Zenden, mais il est séché. Pas faute, dit monsieur l'arbitre. Attention aux Américains. Kovalees qui s'appuie sur Ivnis sur Kovalees qui fait tout le tour du défenseur. Cassandra un petit peu passive là, je sais plus si c'est Cassandra ou Carragher, non c'est Carragher. Carragher un petit peu passif et Kovalees qui va venir mettre une bonne frappe croisée au deuxième poteau. Visiblement Clemens qui a du mal sur son côté opposé. Et bonne passe en profondeur pour Zenden. Zenden qui a vraiment de l'espace, qui va centré fort au deuxième poteau sur la tête de Firmino. Firmino, à cette distance, le gardien n'a pas le temps de réagir. Alors, est quand même plutôt sur le gardien, en fait, cette balle. C'est plutôt la proximité qui fait que le gardien réagit avec un petit temps de retard. Elle est au-dessus de lui, il lève les mains trop tard. Heureusement pour nous, un petit peu de réussite, là. Nos adversaires ont dominé, hein, globalement. Hein. C'est eux qui ont le... Alors pas de beaucoup, hein, c'est assez équilibré, on a la possession, les expected goals, mais ils jouent plutôt bien. Attention, Ivnis qui relance Kovalees qui va venir mettre son deuxième but. Ah, on a du mal avec les gens qui ont les cheveux verts, hein, ils nous marquent beaucoup de buts, ils n'ont pas de goût mais du talent. 2-1, c'est difficile. Allez, Firmino qui choisit l'option un petit peu solitaire, qui va frapper. Elle rebondit sur le deuxième poteau, mais elle revient dans les pieds de Vida. Vida qui marque. Alors la mauvaise option de la part de Firmino, là, qui l'a joué un petit peu tout seul, qui a tenté de dribbler, qui en plus l'a mis sur le poteau. On a un petit peu de réussite, on va pas s'en plaindre. Et Firmino qui cette fois-ci joue bien le 1-2 avec Vida. Et elle revient sur Firmino. Firmino qui la met dans la lutte. Carne, non, bas, elle revient sur Jessica. Jessica qui la glisse à Torres. C'est Torres qui lui va mettre une frappe en puissance. Je sais pas si elle était cadrée, mais elle est détournée par le défenseur central, ce qui nous permet de mettre un troisième but. Et on gagne ce match 3-2. Alors franchement, avec beaucoup de réussite et de chance, mais quelque part, on va pas s'en plaindre. Puisque sur les trois derniers matchs, ça nous fait donc 2 victoires et 1 nul. C'est toujours bon à prendre. FC, je te l'avais dit. Inutile de vous dire que c'est encore des Français. On démarre tout de suite avec une tentative de frappe de Cuadrado, bien contrée par Rizer. Rizer qui lance sur Torres. Torres qui va lancer Jessica. Jessica qui revient, qui s'appuie sur Vida. Vida qui la met en profondeur pour Firmino. Firmino en puissance du gauche qui va trouver la lucarne. Magnifique ce but.
surtout la transition entre l'appel et la passe. C'est l'appel qui déclenche la passe, l'appel de Firmino dans la profondeur, la limite du hors-jeu, la passe de Vidda qui va venir tromper le défenseur qui permet à Firmino de fixer le gardien. Allez, 17ème minute, Maestro qui va venir s'appuyer sur Bellucci. Bellucci qui va s'enfermer un petit peu, un râteau, deux râteaux. S'appuyer sur OK, il n'y a pas beaucoup de solutions, c'est fermé dans l'axe. Pas d'appel de Bellucci, si un appel, une passe millimétré entre les deux défenseurs et Bellucci qui va battre le gardien côté fermé. Il est magnifique dans la construction hein, ce but. Là la passe entre les deux défenseurs qui laisse juste un trou de souris à Bellucci et elle s'infiltre dedans. Alors match nul, on préférerait mener. Ce match pour l'instant est intéressant, ils ont la possession. Ils ont la possession, mais c'est assez équilibré sur le reste. On en joue un jeu un peu plus direct que d'habitude. On aimerait marquer plus de points. Il nous manque un point pour être en division 7 la saison suivante. Et sur les deux derniers matchs, si on fait deux victoires, on est même sûr d'être champion. Oula, Torres et Firmino qui ont peut-être regardé trop d'épisodes de Captain Tsubasa, parce qu'ils tentent un tacle à deux. C'est Torres qui est puni, mais ça aurait pu être les deux. Allez, en fin de match, les esprits sont fatigués. Passe en profondeur d'hockey pour Bellucci, mais Bellucci bien contré par Clemens. Et je le disais, voilà, on est donc à deux matchs de la fin. On se retrouve à 6 points du titre. Non, moins que ça, 4 points du titre. Il faut faire une victoire, un nul sur les deux derniers matchs pour assurer le titre de champion. Mais on aimerait déjà, dans un premier temps, assurer la montée. Un point suffirait. Allez, on commence le dernier match de cette soirée avec les Faritas VS. Et ça va pas très bien commencer puisque sur un corner, on a du mal hein, avec les cheveux verts. Je le disais tout à l'heure, une dégaine de poulet lui vu de derrière. Mais il a beau se la raconter, c'est pas lui qui a marqué en fait. C'est un but contre son camp de Jessica. Et du coup, c'est un peu frustrant. On domine, enfin on a la possession en tout cas, mais ils ont les occasions. Ils jouent plus direct, hein. On joue beaucoup plus en passe. Mais 1-0 à la mi-temps, ça nous arrange pas. Il faut au moins égaliser pour aller chercher ce petit point qui nous permettra de jouer en division 7. Allez, construction. Construction de Kinglia et de Xavi. Xavi qui va se tenter de trouver Kinglia, c'est le nom de l'homme poulet, mais ça va rien donner. Bon dégagement de Vidda sur Zenden, mais mauvais contrôle. Allez, Torres sur Firmino. Torres qui fait un bon appel, Firmino qui trouve Torres en profondeur. Petit lob sur le gardien qui était sorti. Et Torres qui nous remet à égalité à la 53e minute. Qu'il est important ce but, qu'il est important. Il faut réussir à le préserver, on aura la certitude de jouer en division 7, de retrouver la division 7 la session prochaine. Sur le coup d'envoi, bonne récupération de Zenden, nos adversaires qui se jettent un peu trop vers l'avant, qui écartent sur Vidda qui va la mettre sur Torres qui met en profondeur sur Firmino qui fixe le gardien, on dirait le copier-coller du but précédent. Et le tout en 3 minutes, la vapeur complètement inversée. Grâce à ces deux hommes, Torres, Firmino, avec la bonne récupération de Zenden, Vidda qui va trouver en profondeur Torres qui va centrer au deuxième poteau sur Firmino, et Firmino qui met le troisième but, 3-1. Je pense que les carottes sont cuites, la messe est dite, toutes les expressions de grand-mère que vous voulez. On réussit à marquer 3 points, une petite tentative peut-être à la fin pour Kinglia qui tente de la mettre sur Xavi, mais cette balle est contrée. Non, 90e minute, allez, un dernier centre peut-être sur Torres, non, cette balle est bien coupée, dégagement de la défense, et non, ce sera bien ça, 3-1, score final. Donc on remporte les 3 points, on a l'assurance d'être en division supérieure la saison prochaine, on retrouve la division 7. Il reste un match à faire, un match et un point à aller chercher pour être champion en cas de dernier match, un match nul ou une victoire, et on serait champion, 14 points sur les 15 à marquer, mais ça ce sera pour la session suivante.
Je ne sais pas si on mesure le côté épique de cette soirée qui avait quand même super mal commencé puisque deux défaites consécutives qui venaient s'ajouter aux 6 de la semaine dernière. On était sur 8 défaites d'affilée, on ne marquait pas un but. Le début de la soirée était hyper tendu et hyper compliqué. Black 7 qui était venu là pour découvrir, faire 2-3 matchs avec nous, s'est pas retrouvé dans les meilleures conditions, sans doute pas avec le meilleur accueil puisque tout le monde était tendu. Il est parti au bout de 4 matchs, c'était prévu, hein, il n'est pas parti fâché. Moda de son côté avait des problèmes avec sa fille qui voulait pas dormir, c'est pareil, il nous a quitté assez tôt. Bref, on est passé au fur et à mesure de la soirée, on est passé de 7 joueurs à 5 puis 4. C'était tendu, quelques changements qui étaient des ressorts presque, enfin l'un plus psychologique qu'autre chose et l'autre tactique qui a vraiment apporté quelque chose, des changements de poste, un petit peu de mix-up, une transition avec une victoire, une défaite. Et puis après, les choses se sont stabilisées, on s'est senti de mieux en mieux, la cohésion est revenue. Moi, je nous voyais déjà retomber en division inférieure, en division 9. Et je trouvais ça juste catastrophique, descendre de 3 divisions en 2 semaines, c'était tant d'axes. Et puis non, les choses se sont enchaînées, l'alchimie est revenue, la confiance en nous est revenue, et on s'est retrouvé avec une sympathique série de 3 victoires de nul en 5 matchs, ce qui était plutôt sympa. Pour finir, on va passer sur les 3 points et les 3 choses que je voudrais revenir de cette soirée. C'est une nouvelle rubrique, j'espère que ça vous plaira. On est parti. Premier point, c'est l'action défensive où là j'ai ralenti le temps, hein, donc ça a été un petit peu plus lent. Vous voyez, sur le coup franc, je me doute qu'il va venir tirer là, donc je vais aller me placer. Vous le voyez sur cette caméra, je vois rien du tout, hein, ça va jouer vraiment au réflexe, au dernier moment, quand le ballon arrive. Alors là, la vitesse est divisée par 4, donc on a quand même le temps de le voir arriver. À vitesse réelle, vous l'avez vu sur le résumé, ça va quand même beaucoup plus vite. Je ne sais pas si Clemens l'avait, mais en tout cas, je la dégage sur le côté. Ça fait une très belle image, ça fait un très beau réflexe. Ça n'arrive pas souvent de réussir ce genre de sauvetage sur la ligne. C'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième point que j'ai choisi, c'est une action construite. C'est en réalité le premier but de la soirée. Alors là, on va voir la passe en profondeur avec un relais sur le milieu, une tentative de jeu en 1-2 et de jeu dans la profondeur qui n'aboutit pas, mais les attaquants qui vont mettre du poids sur la défense et libérer de l'espace pour Vidda au milieu de terrain, qui va prendre sa chance et qui pour une fois arrive à trouver un angle dégagé. Ce but est hyper important parce que c'est le premier de la soirée, c'est celui qui nous remet sur les bons rails, et en plus c'est une frappe enroulée magnifique au deuxième poteau, en dehors de la surface. Ça fait toujours des très jolis buts et des très jolis ralentis avec un enroulé qui est hyper sympa. Là on le voit bien, hop, de l'intérieur du pied avec beaucoup d'effet. Le troisième point que j'ai voulu garder, c'est là pour le coup, c'est pas une action mais une double action qui illustre plutôt bien l'apport du 4-4-2 sur le poids offensif, avec, on le voit, le relais entre les deux attaquants. Là, le premier but, c'est Firmino, donc Unitix, qui va mettre une passe en profondeur à Torres, Grodet, son cousin, pour un petit piqué et un premier but. Et l'action suivante, quasiment dans la foulée, on le voit sur la remise en jeu, c'est une action quasi miroir, en fait, parce qu'à part du même endroit, en fait, on a le même relais avec la récupération, l'arrivée sur le milieu de terrain. Et cette fois-ci, c'est Torres qui passe pour Firmino dans la profondeur, et Firmino qui va finir. C'est vraiment l'apport du 4-4-2. Je ne pense pas qu'on gardera ce système parce qu'il a d'autres défauts dont on reparlera, mais en tout cas, sur la fin, il nous a permis de vraiment très bien finir. Voilà mes petits loups, c'était le résumé de la session du 17 novembre. Je vous laisse un peu sur un cliffhanger à l'américaine, puisque pour le coup il reste un match qui doit déterminer si on sera champion de division 8 ou pas. En tout cas, la session prochaine on sera en division 7, ça c'est sûr. Malheureusement on ne l'a pas fait sur cette session là parce qu'on n'avait plus le temps, on avait des obligations, etc. Tant pis, vous l'aurez la prochaine fois. Alors pas au prochain épisode, puisque vendredi on continue notre série sur la découverte de qui incarne les IA.
Je pense qu'on fera l'épisode sur Michael Owen. Donc la réponse à savoir si on a été champion ou pas, elle sera lundi prochain pour l'épisode 10. En attendant, je vous laisse là. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se retrouve vendredi. C'était Ben. Ciao les loulous.